Voici la jeunesse d'Hernán Cortés. Cortés est né en 1485 à Medellin, dans la province d'Extrémadure, dans le royaume de Castille, en Espagne. Son père, Martin Cortés de Monroy, est un capitaine d'infanterie d'une famille noble, mais possédant de maigres ressources, un moulin, un rucher et une vigne. Sa mère est Catalina Pizarro Altamirano. De fait, Hernán est le cousin du second degré de Francisco Pizarro, le futur conquistador de l'Empire Inca. On ignore l'essentiel de l'enfance de Cortés. En 1511, Cortés accompagna Diego Velázquez de Ceolar à Cuba, où il participe à la conquête de l'île. En guise de récompense, il est nommé premier maire de Santiago de Cuba et reçoit une grande propriété ainsi que l'eau d'esclaves. Finalement, le 18 novembre 1518, craignant que Diego Velázquez de Ceolar n'annule l'expédition, l'armée de Cortés quitte précipitamment le port de Santiago de Cuba et se dirige vers le Mexique pour la conquérir. Alors voici la chronologie de la conquête de l'Empire aztèque. Septembre 1519. Cortés voulait conquérir le Mexique, mais avant tout, il devait conquérir l'Empire aztèque. Octobre 1519. Cortés fait brûler les vaisseaux pour obliger ses soldats de le suivre pour la conquête du Mexique. 1er novembre 1519. Cortés débarque au Mexique et se fait inviter par Moctezuma, l'empereur des Aztèques. 14 novembre 1519. Moctezuma se fait trahir et prisonnier par ses invités Cortés. 20 avril 1520. Pánfilo de Narváez débarque à San Juan de Yula. Pendant l'absence de Cortés, ses hommes profitent d'une cérémonie religieuse pour massacrer de nombreux nobles. Le peuple se soulève. 28 mai 1520. Cortés attaque les troupes de Narváez et les met en déroute. 24 juin 1520. Cortés réussit à entrer à Tenochtitlan, la capitale du Mexique et de l'Empire aztèque, sans se battre. Entre 25 et 28 juin, le peuple de Tenochtitlan craint Cortés. 29 juin 1520, Cortés fait intervenir Moctezuma, qui a été prisonnier l'année dernière, pour calmer la foule. Ce qui ne permet pas d'apaiser la situation, Moctezuma est lapidé.